Coucou, bonjour à tous et à toutes. Et on va continuer l'aventure de Pokémon Lune. Donc merci si vous êtes là. Donc là je suis au club Anoano, je crois. Et nous allons rentrer dedans. Hein. Ou à l'hôtel Anoano, je sais pas. Voyons voir. Ah, te voilà. Au fait, je suis même pas encore présenté. Pardonne mon extrême impolitesse. C'est vrai qui sait ça. Enchanté, mon nom est Sobonne. Ok. Je t'ai dit que j'avais quelque chose de fabuleux à te montrer, n'est-ce pas? Eh bien, cette chose, c'est le paradis des heures. Ah oui, c'est vrai. Alors, une seconde. Mais revoilà. Donc j'ai l'honneur de t'inviter à découvrir notre île artificielle consacrée à la sauvegarde des Pokémon d'Alola. Comme son nom l'indique, c'est un véritable paradis pour les Pokémon. Douteras-tu de moi? Crois-tu vraiment que je suis du genre à mentir aux enfants? Dans ce cas, tu dois venir avec moi. Tu verras à quel point je sais me montrer convaincant. Alors, tu es partante pour m'accompagner au paradis Aether? Aether, je sais pas comment on dit. Bon, allons-y, hein. Tout le monde arrive. Comme quand il faut partir, comme par hasard. Alexia, la doyenne du Lille, ok. Oui, bon, c'est des SMS que vous entendez, hein, bien évidemment. Tiens. On me parle en même temps. C'est une de tout faire. Hein. Alors, je n'allais pas vous laisser partir sans en revoir quand même. Après tout, vous êtes les dresseurs. Alors, qui ont fait le tour de l'île. Un peu comme mes enfants, il faut être un peu exagéré, mais bon. Hop. En tout cas, souvenez-vous tous les deux. On voit pas mon doigt, non, c'est bon. Vous êtes notre meilleur ennemi. De quoi? Vous êtes votre meilleur ennemi. Ah bon? Et vos Pokémon sont vos meilleurs alliés. Bizarre ça. Je suis pas un ennemi moi-même, ça. Et vos professeurs, vous venez? Je voudrais bien, mais j'ai du pain sur la planche de surf. On dit que la Fondation Vert possède des technologies en avance sur leur temps. Cool. Ok, on traitera tous en détail. Au parc Méali, ok, je comprends bien. Ouais, bon, on étudie en voir quoi. Il passe à bord, ok, on peut y passer un temps. C'est un bateau, hein, comment il fait pour flotter, il est con quoi. N'importe quoi. Ce serait drôle si c'était vrai. Oui, c'est un bateau, hein. Enfin bon. Bon allez, allons-y. Bon, j'ai mis un peu trop de rouge à lèvres, on dirait. Je te crois qu'ils ont jamais vu un bateau, eux. Je vais éteindre mon écran parce que sinon je vois rien. Il faut que j'appuie? Ah non, ça c'est tout seul. Tout cas, ils aiment bien le blanc. Hein. Bon, je vais mettre mon portable en silencieux si on m'entend que lui. En gros, on les emmène quelque part, quoi. La Fondation Aether a été créée dans un centre, dans un seul but, la sauvegarde des Pokémon. Nous avons la technologie les plus avancées qui soit. En sous-sol, nos chercheurs mettent au point du nouveau type de Pokéball. Cool. Ok. Notez d'ailleurs que l'usage de Pokéball est interdit ici. Oui, malheureusement, de toute façon. Qu'est-ce qu'il y aura à prendre? Pas grand-chose, je suppose. Un ascenseur, c'est vrai que c'est super une nouveauté. Oui, on va. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Auriez-vous la bonne chance de m'appeler monsieur le directeur?
Ses grosses lunettes. Bon alors, qu'est-ce qu'il veut? Je lui souhaite une visite guidée. Oui, bah, on est là pour ça, je crois. C'est comme toi qui m'as invité, hein. Bon, c'est qui cette meuf? Elle aime bien le rose. Vicky. Enchanté. Mais comment c'est... Nous savons tout ce qui se passe à Cala grâce aux employés, ok. Protégés, ok. Mais que nous commencions à l'étage. Bon, ben, on va commencer la petite visite. Bon, il y a un peu de tout, on dirait. Dites-moi tous les deux. Eh ouais, 11 ans. J'ai déjà 11 ans. Non, à partir de 11 ans, je sais pas. Parce qu'ils sont un peu 11 ans, c'est un peu grand quand même pour 11 ans. Hein. Beaucoup d'enfants de votre âge partent à l'aventure comme des grands. Eh oui. Bon, alors, si nous allons faire un coup. La réserve, ouais, ok. Bon, c'est un parc. Oui, qu'est-ce que tu captures de toute façon? Je les ai presque tous. C'est un zoo en fait, hein. Popo. Ouais, bah, de toute façon, je l'ai, donc t'inquiète pas, je vais pas le prendre, hein. Ouais, il nous dit oui, ouais, bon, enfin. Ça ressemble à des corails, quoi. Enfin, du corail. Ouais, si tu le dis. Du coup, je pense... Tous, c'est un petit peu dur, mais bon. Avec de l'argent. Nous essayons donc de préserver l'équilibre naturel des choses. Ok. Voilà une question... Juste un petit truc que je comprends pas. Pourquoi êtes-vous installé à... Allô, là-bas, où veux-tu qu'ils aillent? Faut bien aller quelque part, hein? Vous savez quoi? Vous n'avez qu'à lui demander vous-même. Bah oui, c'est pas con, ça. Moi, je voudrais visiter. On peut... Ça y est, on peut bouger quand même. Où peut-on aller? Bon, évidemment, il n'y a rien à voir. Côté de mort, je m'en fous. Ah, bah, c'était là qu'il fallait aller. Ses cheveux, elle. Putain, plus long qu'elle, ses cheveux. Permettez-moi donc, vous êtes la bienvenue au Père. Oui, mais qui c'est? Elle a ses yeux verts. Ah, Elsa Mina, la présidente de la fondation. Enchanté. Et oui, les guides comme nous qui font le tour des îles. J'ai décidé d'agir dans le présent sous mon aile. Je baisse toutes mes infections, je suis une mère pour eux. Ok.
Excusez-moi 2 secondes, j'écris un SMS. Alors, t'es vachement sérieuse pour ton âge. On sait même pas quel âge elle a. À 40 ans, d'accord. Bah fais pas non plus 10 ans. Faut pas exagérer. Hein. Puis on voit pas sa tête. Alors, quelques boutiques. Bah, c'est quelqu'un qui doit s'habiller. Bah non, c'est un mec. Alors, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Bon alors, qu'est-ce qui se passe encore? Tremblement de terre dans l'eau. Ouais, c'est rare, mais bon, pourquoi pas. Ah non. Un putain de trou dans le ciel. Enfin, dans le toit, on va dire. Oh, ça aurait été une ultra chimère. Ah tiens, on se bat contre elle. Un truc qui cloche. On dirait une grosse méduse. Avec des pattes. Bon et alors, qu'est-ce que je fais? Ah, il faut que j'aille vers elle. Floup-floub. Ah, on se bat, ok. Alors, il est rouge. Alors désolé, on fait une petite pause parce que je dois aller quelque part. Mais vous ne verrez pas parce que de toute façon je ferai une coupure. Donc à tout de suite. Hop. Donc où on était? Truc. Donc on va déjà faire. Bon, déjà, est-ce qu'on peut le capturer? On sait jamais, hein. Une rapide. Ah, on peut pas capturer, c'est vrai. Fait chier. Bon, un peu de feu pour voir ce que ça donne. Ouais, bof. La vitesse se commence, ça veut dire que je vais attaquer en premier. Ça, c'est bien. Ouh là, ça c'est mieux ça. Oh, bah d'accord, direct. Hop. Non, bon, on s'en fout, on verra plus. Ah, ça qui est le multi-XP. Bon, je crois qu'il est monté. C'est comment s'appelle? Voltali. Ouais, voilà, ouais. Il va s'arrêter à 20, je pense. Ah ouais, voilà, Voltali. Non.
Je sais pas comment, mais je me suis dit, bon, un truc électrique, un truc à faire. Ça change un peu. Ah, c'est ce que je pensais. Je n'ai pas le choix. Il faut absolument récupérer ces Pokémon comme un lâchement enlevé. Hein? De quoi elle parle, hein? Je me passe sourire. La créature que nous venons d'apercevoir est sans doute une ultra chimère. Être venu vivant d'une dimension inconnue de l'autre côté de l'ultra brèche. Elle avait l'air de souffrir. Moi, ouais, peut-être. Je ne peux rester les bras croisés face à un tel spectacle. Je dois vite aller à son secours. Ouais, bizarre. Merci à vous deux, grâce à vous, ma détermination est plus forte que jamais. Enfin, bon, on n'a rien fait. Hein. On n'a rien fait. Ouais, bah ouais, pourquoi? À la prochaine île. Ok, cool. Enfin, je voulais rester ici un petit peu, mais bon. Ok. Ouais, bizarre, bizarre. Je vous accompagne jusqu'à Hula-Hula. Ok, moi je voulais visiter un petit peu, mais bon. Il est chiant le gars avec ses coucous là, tout le temps. Il est chiant, il est chiant. Ça m'avait dit que je verrais Ultra Broche me proposer un jour. Faut que je raconte ça au prof. Si vous en parlez, dites-lui que c'était un accident, d'accord? Bah oui, faut espérer. Ah, un cadeau? Qu'est-ce qu'il a? Malada, on s'en fout de ça, ou un truc à bouffer encore. Et moi? 29, psycho. Ouais, pas mal. Toujours intéressant ça. Ok, bah allons-y, hein. Allons-y, allons-y, madame. Il a un beau boîteau d'une première classe. Hein. Ah, mais de. En fait, j'ai mis trop petit, donc je peux plus zoomer maintenant. Tant pis. Bon. Ah, mais je peux pas passer, en fait, ça fait tout seul. Ok. Il pense qu'à bouffer. C'est tellement bon, j'en ai jamais assez. Oh, tu parles, c'est un goinfre. Espèce de goinfre. Ah, troisième île. C'est cool ça. Un petit village, ah, japonais, chinois, bon. Peut-être plus japonais. Ce bon vieux plancher, t'es crémeux. Ça fait du bien quand ça s'arrête de tanguer. Ok, bon, bah allons-y. Hein. Ouais, évidemment que c'est pareil, tu m'étonnes. Un combat tout de suite. Je vois pas le rapport. Bon, j'ai pas le choix, ok. Bon, bah, apparemment, dans la suite de la vidéo, ce sera pas entièrement le cadre. Tant pis. Réchaud, qu'est-ce que je vais envoyer? C'est quoi l'électricité? Ouais, bah, de toute façon, je suis bon. Vu que c'est lui le plus fort, autant on va te tuer. Hop. Il va attaquer 34.
Je suis pas vu son niveau pour si je suis en avance. 28, ouais. Je suis largement en avance. Aire de feu. Hop là, t'es brûlé et t'es mort. Merci. T'es mort, ok, 12. Voltali, ouais, faut que je monte vive attaque. Je vais voir ce qu'il a de bon. Allez, ouais, hop. Quatorze, 15, enfin il est en retard. Hein. C'est bon. À quoi lui, bah tiens. On change un peu. Il est beau que c'est piquant. Je sais que c'est con ce que je viens de faire. En plus, j'ai pas l'attaque électrique. Oh, quel con. Quel abruti. Bon, c'est pas grave. Il aurait été au combat quelques secondes. Tiens, je suis pas. Un bec canon. Oula, je vais mourir. Ah non, c'est bon. Il était mignon, collé en plus. 29, cool. C'est quoi coup de pied? Deux coups de pied qui frappent l'ennemi deux fois d'affilée. Ok, hop. Il n'y avait pas d'attaque, donc autant à prendre quelque chose. Hein. Hop. 15. 16. Et voilà. Hop. Ah. Oui, on voit ça, c'est plante. Bon, on va regarder ça. Hein. Picor, voilà. Bon, deux fois c'est rare. Oui, fait pareil. Oui, mais moi premier. Et oui. Hop là. Hop. T'es mort, ok. 17. Bon, ça va. Hop. Il voulait se battre. Bon, bah ça y est. Hein. Professeur, oui, il a dit quelque part dans le parc Malier. Oui, je sais, c'est un nouveau, une nouvelle île, un nouvel Pokémon. C'est quoi ça? C'est pour partir. Ouais, donc on s'en fout. Hop.
je suppose qu'il y a peut-être des trucs invisibles, mais bon, on fera ça une autre fois. Ah bah voilà, Pokéstop. Enfin, stop, je crois dans Pokémon Go. C'est le centre Pokémon, voyons. Hop. Tum, 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 tum. Hop là. À bientôt. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Et toi, oui, on voit. Il est 8 h du matin. Ok, bah c'est bien. Allez, on prend ça. Ou 8 h du soir, je sais pas. Oh, 8 h, on aura dit 20 h. Hop. Pokéfèves, cool. Alors, hop, une femme. Ok, elle raconte rien. Toi. Capsule, voyons voir. Atterrissage. Hop. Lanceur. Polie son corps pour diminuer la résistance. Danse frénétique exact. Ouais, bah, de toute façon, t'as qu'à faire. Petit sol. Ok. Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et change de place. Ouais. Façade. Je sais pas si je laisse par avant. Une sorte de projectile à l'ennemi si ce dernier vole et tombe au sol. Bof. Ok. Bah, on va faire des trucs hein, qu'on peut faire du pognon. Hop, oui, on voit tout ça, on garde. C'est quoi ça? Ok. Jus de baie, c'est quoi ça? Ok, rappel. Bon, il y a rien d'intéressant là. Toutes les boules. Miel fossile. Hop. De toute façon, les tessons, je peux en avoir quand je veux. Hop. Rouge, j'en ai 3. Fait évoluer, ok. Soleil, plante, faute, pierre, feu, pierre, eau. Une maxi pépite. Bah 20 000, tu m'étonnes. Morceau d'étoile, 6 000. Ok, cool. Perle, 6. Cool. Hop. Capsule d'or. Argent, repousse, sabre. Pierre, charme, pierre stase. Ça, on s'en fout. Ok. Hop. Et toi? C'est des... Oh, mais... Oui, bof. On verra tout à l'heure. Hop.
On va vite sauvegarder. Tum, 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 tum. Non, ça c'est pour la ramener de la vie. Apparemment, le parc Malier, ok, il est juste là. La Kodak, tiens, qu'est-ce qu'il fout là? Bah, si on est avec le professeur. Ah, mais elle m'empêche de l'avancer, ok. Il met rendez-vous au parc alors. Ah, c'est là, ok. Petite buvette au fond. Ok, bon bah, lac. Très drôle. Donc, bon, bah, c'est là pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez. Je vous en remercie, puis bah, à la suivante. À bientôt!